La MIF, j'espère que vous kiffez cette nouvelle série Barrio. Si vous voulez plus de contenu, c'est très simple, un like et un commentaire. Sur ce, bon visionnage. Normal qu'ils sont pleins là. T'inquiète pas mon ref. Y'a personne qui va sauter. S'ils sautent, ça veut dire que leur pote c'est une salope. Ils ont un code d'honneur ici. Ici leur code d'honneur n'est pas respecté. T'inquiète pas, s'il n'est pas respecté, j'ai ce qu'il faut. On fait quoi maintenant? Maintenant tu lui niques sa mère. Whoa!
Trouve une autre solution pour ton argent. Moi, je m'oublie. Et une dernière règle que je t'ai pas dit, frérot. Ne jamais faire confiance à quelqu'un à Medellin. Todo va a estar bien, mi amor. Mira que ya pasamos lo más difícil, mi vida. Deberías estar tranquilo. Sí, pero no me siento bien por Hassan. Él confió en mí. Yo lo traicioné. Y encima, no tiene la plata para salvar a su madre. Pero, bebé, mira, ¿es él o nosotros? Y obviamente primero somos nosotros. No deberías pensar como de esa forma. Mira. Yo sé que vamos a hacer con Alejandro. No le vamos a dar nada de dinero. Y vamos a empezar una vida solo tú y yo. Mira, que la vida es súper linda. Deberíamos estar solamente tú y yo. Ok. Hasso, il est mort, j'arrive pas à y croire. Laisse tomber, Khalo, mais moi je suis dépassé là. Les gars, je m'attendais pas à tout ça, voilà. Enfin. Tu as encore des preuves ou c'est bon? Y'a pas plus chaud que moi là, ça y est. Bon, tu sais ce qu'il nous reste à faire, cardio. Il nous reste quoi à faire, Khalo? On va aller voir les anciens. Que hoy ya nos vamos de aquí, todos los problemas. Y vamos a empezar una nueva vida, tú y yo. Me encanta. Sí. Debbie, apúrate. Ayúdame, ¿ok? Está bien. Vamos. Vamos, ahí. Este hijo de puta. Vamos.
vamos, vamos. Putain, les passeports. Oh. Beh, però intanto io ti spero al frente, primo noi, sì. ¿Oíste? Entonces se va de vacaciones. Aquí te tengo el tiquete de ida y vuelta. Perra hijo de puta. ¿Qué pasa? ¿No te oyen hoy? Necesitas mentalidad para el boxeo. Nada. Estoy enojado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es Yacin. ¿Yacin? ¿Qué pasó con Yacin? Me robó la plata. ¿La plata la pelea? Sí. Mi madre está muy enferma. Y esa plata era para él. Ey, escúchame. La vida es como una pelea de boxeo. Y te rindes, se noquean. ¿Pero qué quieres que haga? Lo perdí todo. Te voy a dar un consejo. Vos no puedes rendirte. Hazam, yo creo en ti. Gracias, hermano. Gracias. السلام عليك. عليكم السلام يا جانب. Abiler, size işimiz düştü. İhtiyacımız var size. Ne oldu yeğen? Bizim küçük Hasu'yu öldürdüler. O küçük Hasu'yu mu? Küçük Hasu'yu. Nasıl oldu? Oldu bir kere abi. Bizden ne istiyorsunuz yeğenim?
Bize adam lazım. Sizin adamlardan. Tamam, siz gidin, biz size ne gerekiyorsa yaparız. Bizden haber bekleyin. Coucou ma vie! Ah, tu es trop beau! Regarde, fais presque la même taille avec le trottoir. Ouais, ok. Tu veux me parler, non? Ouais, ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Y'a rien. Comment ça, y'a rien? Y'a rien, je t'ai dit. Je sais pas, tu viens ici, tu me défonches même pas un sourire, même pas une salem. Jasmine, c'est pas le moment. Comment ça, c'est pas le moment? C'est pas le moment. T'as vu, tu m'as écrit, tu m'as dit, Hassan, j'ai trouvé une solution par rapport à ta mère. Vas-y, je t'écoute. Ouais, tu vois pas, je me suis fait belle pour toi, je nous ai pris un resto pour t'annoncer la bonne nouvelle. J'ai pas la tête à au resto, là. Comment ça, tu as pas la tête à au resto? J'ai pas la tête à au resto, j'ai le droit, non? Tu m'as écrit, tu m'as dit, Hassan, il faut que je te parle. Vas-y, je t'écoute. J'ai appelé mon père. Ok. Pour que tu viennes travailler avec moi au salon. Pour 1300 euros par mois. Putain, 1300 euros. Quoi, 1300 euros? Tu sais combien c'est ici? Bien sûr, je sais. Je crache pas dessus. Mais 1300 euros, Jasmine, je reste en France. Je serais pas venu jusqu'à Medellin faisant 15 heures d'avion pour 1300 euros. Tranquille, petit à petit. Non, petit à petit, d'accord, mais le cancer, il va pas attendre. Je sais pas si tu captes, là. C'est très gentil de ta part et celui de ton père de vouloir m'aider, mais 1300 euros, ça va grave pas m'aider, Jasmine. Tu captes ça ou pas? Ouais, mais j'essaye de t'aider, en fait. Non, mais là, tu m'aides pas, je viens de perdre tout mon argent, là. Comment ça, tu viens de perdre tout ton... J'ai perdu tout mon argent. Qu'est-ce que tu racontes? Mon meilleur pote, il m'a trahi. La seule personne à qui j'avais confiance dans cette putain de ville, il m'a trahi. Tu captes ça ou pas? J'ai plus rien. D'accord. J'ai plus rien, j'ai plus l'argent pour sauver ma mère. Tranquille, arrête de crier par contre. Je crie pas sur toi, je suis en train de dire parce que je suis vénère là. Je m'en fous, me crie pas. Comment dessus, ça, tu t'en fous? Mais me crie pas dessus. Comment ça, tu t'en fous? Je viens pour t'aider, tu me crie. Je crie pas sur toi, dans quoi tu m'aides là? Tu as craqué? Eh vas-y, j'ai pas envie de m'embrouiller avec toi, vas-y, bouge de là. Comment ça, bouge de là? Bouge de là. Tu me fais la marque toi en plus. Comment ça, je te fais la marque? Tu me fais la marque toi? Eh vas-y, je t'ai dit, c'est ma ville ici, vas-y, bouge de là. C'est ta ville? Ouais, c'est ma ville. C'est ta ville de quoi? Comment ça, c'est ma ville? Je te rappelle que ton père, il est président d'un cabinet dentaire, il est pas président de Colombie. Et alors? Eh vas-y, bouge, bouge. Je vais même pas parler avec ta robe toute serrée là, on dirait que t'as mis une gaine, frère. Mais t'avais ton pantalon de très large, tu m'as mis 2 kilos s'il te plaît dans tes cuisses. On en parle de ta taille là, tu fais du XS, tu mets du 2 ans. Vas-y, garde la pêche. C'est toi qui garde la pêche, vieux mec, va. Là, moi je me suis fait belle pour rien. Allô? Allô? Oui, ça va? Ça va et toi? Non, ça va pas trop. Ça va pas pourquoi? Parce que j'ai tarpé la haine. Par rapport à quoi? Parce que je me suis embrouillée avec Hassan. On me connaît pourquoi? Parce que il m'a tarpé mal parlé. T'as mal parlé? Ouais, de ouf. Pour quelle raison? Ben, parce qu'en gros, je t'explique, il est venu à Medellin, il a fait ses sous ici, tu as vu, pour aider sa maman qui est malade. Et en fait, il s'est fait lever ses sous, tu as vu. Donc en gros, j'ai essayé de lui trouver une solution. Donc tout à l'heure, je suis allée le voir pour lui proposer une solution. Et en fait, il m'a remballé et genre, il m'a tarpé mal parlé, tu as vu. Bon, voilà. Ok, mais je pense que c'est pas contre toi. Je pense que c'était juste arrivé au mauvais moment, donc ça en est pris à toi. Ouais, mais quand bien même, en fait, quand quelqu'un il veut t'aider, tu vas pas mal lui parler, tu vois ce que je veux te dire. Non, c'est sûr, c'est pas une raison. Voilà. Mais moi, si je peux te donner un conseil, c'est essaye de passer outre du fait qu'il t'ait mal parlé, tu vois. Mmh. Il est en train de vivre une épreuve un peu compliquée, donc sois là pour lui et le lâche pas. Tu as raison. Bah écoute, te prends pas la tête, je finis un truc, je te rappelle, c'est bon? Ouais, rappelle-moi. Ça va, allez, bisous, ciao.
Bon, en tout cas, ce hangar, il est parfait, il me plaît, ce choix. Il est magnifique. Il me plaît, il est grand, on va ramener v'là le public, c'est on va ramener v'là les combattants. Ah, ça, j'en doute c'est pas. C'est ce qu'il me fallait, frérot, comme d'habitude. Comme d'hab. Comme d'habitude. Bon, en tout cas, je voulais te remercier depuis tout ce temps-là, tu me trouves tout le hangar, mon frérot. C'est normal, t'inquiète. T'es le meilleur, t'es le meilleur. Bon, on fait comme d'hab, ce qu'on comme fait, d'hab. J'organise l'événement samedi, voilà. On attend la fin des combats, je te paye, et on emboîte direct sur la semaine d'après. Avec plaisir, c'est bon, comme, mon frérot. Comme d'habitude. Vas-y, bah, je t'appelle, tu fais vas-y, attention, d'accord. Attention à toi. Vas-y, mon frérot. Allez, ciao. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, ça va. T'as bien dormi? Ouais, ça va. Et toi? Comme d'hab. Comme d'hab. Bien? Bien. C'est comporté comme des gamins hier. Hein. Ouais. Écoute, je suis désolé d'avoir élevé la voix hier. Ouais. Moi aussi. J'aurais peut-être pu comprendre un peu plus. C'est vrai que t'aurais pu comprendre un peu plus. Toi aussi, t'aurais pu comprendre un peu plus. Ouais. Par contre, dernière fois, tu tailles ma robe. Ta robe, c'était Undertaker. T'as fait un choke slam. T'avais trop de mal à respirer, wesh. Mais t'as vu ton pantalon trop large? Ouais, c'est vrai que j'aurais pu te donner un peu d'oxygène. T'avais du mal à respirer, de ouf. Bah, toi, tu respirais un peu trop. On est des galères. Ouais. Bon, t'allais faire quoi, là? Rien, j'allais marcher. Vas-y, go. On y va? Vas-y. Ouais, İstediğiniz adamı yakaladık yeğen. Eyvallah abi. Bak birazdan öbürüsü de gelecek. Vas-y, mets-toi à genoux là. Hey les gars, je vous... Mets-toi à genoux. Je fais quoi? Hey les gars, moi j'ai rien à voir. Yeğenim, aradığınız adam bu değil miydi? Getirdik. Şimdi sahibi de gelecek buraya. Tamam mı? İstersen biz vuralım, istersen siz vurun. Alın. Donc c'est ici où tu viens toi? Ouais. Dès que je suis en Gambert, je me sens pas forcément bien, je viens ici et okay. Je me vide d'esprit. Du coup quoi, tu te sentais pas bien par rapport à moi? Oh, t'es qui toi?
avec ton piercing là. Qu'est-ce que tu veux toi, gros Jeanne? Bon, ça a l'air d'aller mieux. Il a fallu que t'en parles. Ben ouais. Ouais. Attends. Qu'est-ce que tu veux? J'essaie de penser à autre chose. Ouais, ça. Et tu as trouvé une solution? Il n'y a pas d'autre solution. Faut que je reparte de zéro. Je recommence mes combats. Je les démonte. Je prends l'argent et j'envoie tout à ma mère. Tu as raison. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, tranquille, petit à petit. Mais par contre, je vais venir voir tes combats en fait. Bien sûr que oui en fait. Jamais de ta vie. Comment ça, jamais de la vie? T'es une petite. Comment ça, je suis une petite? C'est pas pour t'es une petite. T'es honte toi? Ta connerie. D'ailleurs, t'as croisé un écureuil, t'as flippé. Comment ça, je croise? Mais qu'est-ce que tu dis là? J'allais te pousser dans l'eau aussi, t'as flippé. Bah en même temps, t'as failli me tuer. C'est normal, j'ai pas kiffé ta vanne sur mon pantalon. Mais moi aussi, j'ai pas kiffé ta vanne sur ma robe. Mais elle est super bien, elle est pas serrée en fait. Alors, voilà. En tout cas, merci de m'avoir ramené ici. Je t'en prie, c'est normal. Vraiment très dépaysant. T'as vu? Rien à voir avec la France. Hein. Quelque part loin ouais, du monde. On est loin. Ouais. On est loin du monde. Ça tue. Bon. On continue la balade? Allez. Allez. Mais c'est dur de se lever, hein. Espèce de vieille, vas-y, avance. Tu veux, Jeanne? Putain! Tu veux m'emmener dans des vrais endroits. T'as vu? C'est stylé. Bon, là j'ai tout. Mais ça va pas, hein? Le reste, c'est vrai. Ah ouais. Ça va. Ça va, tu viens? Hein? Encore un petit peu, quoi? Hassan, regarde. Quoi? Hassan, regarde. Quoi? Regarde, Hassan! Jasmine, cours. Comment ça te fait? Jasmine, cours, je te dis. Qu'est-ce que tu fais? Cours! Pas de balles. Mais quel trou de balles, putain! Quasi quel punto. Je vais pas venir comme un bonhomme! Bande de fils de pute!
Te metiste con el que no era, hijo de puta. On va faire quoi maintenant là? Et toi, sale fils de pute, Marwan Hasso? J'ai pris mon associé aussi! Ferme ta gueule, je t'avais dit, j'étais responsable d'eux! Et tu vas faire quoi? Pour Marwan, fils de pute! La famille, le clip est totalement disponible. Je vous laisse aller le regarder. Bon visionnage, comme d'hab. Fort! J'ai la salade en guise de conscience. Les problèmes appellent et je dois faire du ça, c'est chaud quand j'y pense. J'suis dans le barrio, barrio, barrio. Est-ce que rien n'est...